Salut! Hi, this is Anthony from Explore French, and in this A2 level podcast, I will talk about consumption, the development of online shopping, initiatives to consume less and differently, and minimalism. We will practice the relative pronouns and the comparative, we will see how to describe the use and function of something, and we will review the vocabulary for everyday life objects. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. The transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com. En France, comme dans le monde, La tendance générale, c'est de consommer plus. Les modes de consommation changent et évoluent et, aujourd'hui, de plus en plus de Français achètent en ligne. Consommer en ligne, c'est rapide, facile et souvent moins cher, car on peut comparer les prix. Il y a aussi plus de choix et on peut lire les avis et les commentaires des consommateurs. De fait, aujourd'hui, on peut facilement faire du shopping en ligne pour acheter des vêtements, des livres, des CD, des DVD, des produits électroniques tels que des ordinateurs, tout comme on peut facilement réserver un hôtel ou un vol. Acheter un billet d'avion ou un billet de train sur Internet, c'est simple et rapide. Et grâce aux billets électroniques, on ne perd plus ses billets. Par ailleurs, aujourd'hui, on peut aussi facilement faire ses courses en ligne, c'est-à-dire acheter à manger et acheter des produits ménagers directement sur le site internet des supermarchés. On commande et soit les courses sont livrées à domicile, soit on va les récupérer en magasin. Aller récupérer quelque chose, ça veut dire aller chercher quelque chose. Plus de la moitié des Français achètent en ligne, surtout entre 20 et 40 ans. La plupart des gens achètent sur leur ordinateur, le soir et le week-end, à la maison tranquillement, mais pas mal de jeunes utilisent un smartphone, c'est-à-dire un téléphone intelligent, pour faire leurs achats. Au-delà de 50 ans, utiliser des applis sur un portable, hein, c'est peut-être plus compliqué pour certaines personnes. Une appli, c'est une application, bien sûr. Et puis, utiliser sa carte bancaire sur Internet et payer en ligne, ça reste aussi une source d'inquiétude pour les plus âgés. Notre société est de plus en plus consumériste, c'est un fait, et ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi Parce que consommer plus, ça veut souvent dire gaspiller plus et polluer plus. En réaction au boom de la consommation, de nombreuses initiatives sont nées. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, pour responsabiliser les consommateurs. Parmi ces initiatives, il y a notamment des plateformes qui permettent de donner des objets. Par exemple, si je veux, je peux donner un livre ou un appareil que je n'utilise plus. Il existe des sites internet où on peut proposer des objets à donner. Comme ça, quand on voit un objet qui nous plaît, on peut contacter son propriétaire pour aller le récupérer. Bien sûr, ce genre d'initiative sert à éviter le gaspillage, car ça permet d'éviter de jeter des choses qui peuvent encore servir. Et puis, ça permet aux personnes qui ont moins d'argent d'économiser. Il y a également des plateformes qui permettent d'échanger des services. Échanger des services, c'est idéal pour rencontrer ses voisins, mais ça permet aussi et surtout d'économiser de l'argent. Quand on échange des services, en fait, on échange du temps. Par exemple, si je donne une heure de mon temps pour faire quelque chose, je peux ensuite recevoir le service d'une autre personne pendant une heure. Donc, au lieu d'échanger de l'argent, on échange du temps. Enfin, d'autres initiatives permettent par exemple de soutenir les producteurs locaux. Ce sont des plateformes qui permettent de grouper des achats, les producteurs locaux reçoivent les commandes et livrent les produits. Grâce à ce genre d'initiative, on peut à la fois consommer des produits frais et à la fois soutenir les petits producteurs. C'est aussi facile qu'acheter dans un supermarché, il y a autant de choix et les produits sont meilleurs. Bref, tout est mieux. Consommer autrement pourquoi pas Mais consommer et acheter pour posséder toujours plus, est-ce que ça nous rend vraiment heureux Les minimalistes pensent que pour être heureux et être bien dans sa peau, il faut posséder moins. D'ailleurs, pour se sentir bien, posséder moins ne suffirait pas, il faudrait aussi ranger plus. Pourquoi parce qu'avec un logement désordonné, notre esprit est agité. Avec un logement plus rangé, plus clair, plus propre, notre esprit est plus calme et plus tranquille. En tout cas, c'est ce que nous explique Marie Kondo. Marie Kondo, c'est une jeune japonaise de 34 ans spécialiste de l'art du rangement. Elle a vendu des millions d'exemplaires de son livre, L'art du rangement. Dans ce livre, Marie Kondo explique comment le minimalisme et l'art du rangement peuvent nous aider à vivre mieux. Trier, ranger, jeter ou donner ce qui est inutile, garder l'essentiel et le ranger correctement, voilà son secret. Marie Kondo est aujourd'hui très célèbre, elle est souvent invitée à la télé et, depuis 2019, elle a même une série de télé-réalité sur Netflix. Alors, consommer plus, consommer mieux, consommer différemment, consommer moins, il faut faire quoi selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Que faut-il faire à votre avis? Right, let's try to translate and make sense of this text. En France comme dans le monde. In France like in the world. La tendance générale. The general trend. Une tendance c'est a trend. C'est de consommer plus. It is to consume more. Consommer plus. Les modes de consommation, the ways of buying, changent et évoluent. They change and they develop. Les modes de consommation, we can say the ways, the, the methods of buying, changent et évoluent. They change and they develop. Évoluer, it means to develop in time. They change. Et aujourd'hui, And today, de plus en plus de français, more and more French people, achètent en ligne. Buy online. De plus en plus de français achètent en ligne. Consommer en ligne, to consume, like to buy online, en ligne, c'est rapide, facile et souvent moins cher. It's quick, fast. It's easy, facile, et souvent, and often, moins cher, less expensive. Consommer en ligne, c'est rapide, facile, et souvent moins cher, car, because, on peut comparer les prix. Car means because, or since, or for, to express uh, the cause. Car, on peut, it's possible to, one can, people can, comparer les prix compare the price donc c'est moins cher car on peut comparer les prix it's less expensive because one can compare the price the prices il y a aussi plus de choix there is there are also more choice more options et on peut lire les avis et les commentaires des consommateurs And one can read les avis et les commentaires des consommateurs. Uh, feedback and the comments of consumers. Mm -hmm. Les avis, uh, the feedback, uh, it's plural in French. Uh, but we can say un feedback, des feedbacks in French as well, that's fine. Et les commentaires, un commentaire, that's a comment. Donc, les commentaires, comments des consommateurs, of consumers. Donc, les avis et les commentaires des consommateurs, we could say in English, consumers, feedback and comments. De fait, de fait means as a matter of fact. Aujourd'hui, today, on peut facilement faire du shopping en ligne. One can easily shop online. Faire du shopping to shop en ligne, online, pour acheter des vêtements, to, in order to buy clothes, pour means to, in order to do something. here, pour acheter des vêtements, to buy clothes, des livres, books, des CD, CDs, des DVD, DVDs, des produits électroniques, electronic products tels que des ordinateurs tel que means such as tels que des ordinateurs such as computers des ordinateurs computers tout comme on peut facilement réserver un hôtel ou un vol tout comme means just like tout comme on peut facilement just like one can easily réserver To book un hôtel ou un vol. A hotel or a flight. Réserver un hôtel ou un vol. To book a hotel or a flight. Acheter un billet d'avion. To buy or buying a plane ticket. Ou un billet de train. Or a train ticket. Sur internet. On the internet. We don't say. Sur l'internet. We don't say on the internet. We just say on internet in French. Hein? Sur internet. Donc, acheter un billet d'avion ou un billet de train sur internet, c'est simple et rapide. It's simple and quick. Et grâce aux billets électroniques, and thanks to electronic tickets, on ne perd plus ces billets. One doesn't lose any longer one's ticket. You don't lose your ticket anymore any longer. Hein? Grâce à means thanks to. Donc grâce à les billets électroniques, it becomes grâce au billets électroniques. Hein? A plus les become O. Grâce au billets électroniques, thanks to electronic tickets, on ne perd plus. Plus here it means not anymore, not any longer in a negative sentence. Donc on ne perd plus ses billets. You don't lose anymore, you don't lose any longer your tickets. Par ailleurs, besides, aujourd'hui, today, on peut aussi facilement faire ses courses en ligne. One can also easily faire ses courses en ligne, shop online. Faire ses courses to do once shopping literally en ligne online c'est-à-dire that's to say or meaning acheter à manger et acheter des produits ménagers hmm? buying food à manger means food we don't say la nourriture acheter la nourriture non on dit acheter à manger to buy food hmm? et acheter des produits ménagers and buying household products directement directly sur le site internet des supermarchés on the website of supermarkets on supermarkets website on commande you order one order et soit les courses sont livrées à domicile either the groceries are delivered at home soit on va les récupérer en magasin or you go to collect them uh, to the shop commander it means to order récupérer it means to collect soit bla 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 soit bla 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 means either blah 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 or bla bla blah. donc soit les courses sont livrées à domicile either the groceries are delivered à domicile at home à domicile soit Or, on va les récupérer, you go to collect them, les récupérer, en magasin, in the shop, to the shop. Aller récupérer quelque chose, to go to collect something, ça veut dire, it means, aller chercher quelque chose, to go to get or to fetch something. Plus de la moitié des Français, more than half of the French, achètent en ligne. Buy online. Surtout entre 20 et 40 ans. Mainly, surtout between 20 and 40 years old. Hmm. Entre bla 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 et bla 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 means between bla 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 and bla bla bla. Surtout entre 20 et 40 ans. La plupart des gens, most people, la plupart des gens, achètent sur leur ordinateur. buy on their computer. Un ordinateur, it's a computer. Le soir et le weekend. In the evening and on weekends. So in French, we just say le soir, meaning evenings, in the evening, et le weekend, meaning on the weekend or on weekends. À la maison, at home, à la maison. Tranquillement, Quietly, peacefully. Mais pas mal de jeunes utilisent un smartphone. Pas mal de means uh, quite a few. Donc, mais pas mal de jeunes, but quite a few young people, hein, des jeunes, young people, utilisent un smartphone. Use a smartphone. C'est-à-dire, that is to say, en meaning, un téléphone intelligent. Usually a smartphone, un téléphone intelligent, like a clever phone. pour faire leurs achats, to make their purchases, to buy, faire des achats, just mean to buy, acheter. au-delà de 50 ans, above 50 years old, au-delà de means beyond, but here, au-delà de 50 ans, it's better to say above 50 years old, utiliser des applis sur un portable. To use or using apps on a mobile. C'est peut-être plus compliqué. It's maybe, that's maybe more complicated. Pour certaines personnes. For certain people. For some people. Une appli, c'est une application, bien sûr. An app, that's an application, of course. So in French, we don't say app. We say appli. Apply is the short for application. Et puis, moreover, utiliser sa carte bancaire sur Internet, using one's bank card sur Internet, on the Internet, et payer en ligne, and paying online, ça reste aussi, it remains also, une source d'inquiétude pour les plus âgés. Une source d'inquiétude It's a cause of worries. Une inquiétude, it's a worry. Pour les plus âgés. For the elderly. Les plus âgés. Older people. Notre société est de plus en plus consumériste. Our society is de plus en plus, moins and moins, consumériste. Consumerist. C'est un fait. It's a fact, that's a fact. Et ça ne plaît pas à tout le monde. And everybody don't like it, don't like that. Ça ne plaît pas à tout le monde. Literally, that or it doesn't please to everyone, to everybody. So everybody don't like that. Pourquoi? Why? Parce que consommer plus, because consuming more, Ça veut souvent dire, it often means gaspiller plus, to waste more. Gaspiller uh, means to waste. Gaspiller plus, to waste more, et polluer plus, to pollute more. So here it means wasting more and polluting more. Gaspiller plus et polluer plus. Wasting more, polluting more. En réaction au boom de la consommation, in reaction to the boom in consumption, boom here, it means just a, a big growth in consumption, un boom de la consommation, like a big growth in consumption. De nombreuses initiatives sont nées. Many or several initiatives were born. En France, comme dans beaucoup d'autres pays. In France, just like in many other countries. Hein, beaucoup d'autres pays. Pour responsabiliser les consommateurs. Pour, donc, to, in order to make consumers more responsible. So we have a verb in French, responsabiliser, meaning to make someone more responsible. Parmi ces initiatives, parmi means among. Among those initiatives, il y a notamment des plateformes. Notamment, here, it means something like par exemple, for example. You know? We could translate especially or in particular as well, but it kind of means for example. Il y a notamment des plateformes. There are, for example, platforms qui permettent de donner des objets. That allow allow you allow people to give objects. So here, qui is a relative pronoun. Uh, it helps you to repeat the noun just before. So qui permet de donner des objets. That allow people to give objects. Basically, it means the platform. The platforms allow people to give objects. Here, qui replaces. platforms, which is in subject position, which is why we use qui. Qui permettent de donner des objets. To say that allowed to give objects. Par exemple, for example, si je veux, if I want, je peux donner un livre, I can give a book, ou un appareil que je n'utilise plus. Or an appliance that I don't use anymore. Here, que is a relative pronoun as well. It replaces the noun coming just before. Un appareil. So, un appareil que je n'utilise plus. An appliance that I'm not using anymore. Basically, it means that I am not using anymore the appliance. Que replaces the appliance, which is in object position. Appliance here in that sentence is the object of to use, utiliser. Je n'utilise plus l'appareil. Donc, que je n'utilise plus. Because in this sentence, the relative pronoun is replacing a word in object position, we use que. So, qui is used to replace a noun in subject position. Que is used to replace a noun in object position. So that's why we say, un appareil que je n'utilise plus. An appliance that I don't use anymore. Il existe des sites internet. There are websites. There exist websites où on peut proposer des objets à donner. Where one can offer, proposer, offer des objets à donner. Objects to give, to give away. So there are websites where one can offer objects to give comme ça so here comme ça means so as a consequence quand on voit un objet qui nous plaît when one sees an object that one likes on peut contacter son propriétaire one can contact its owner you can get in touch with its owner pour aller le récupérer to go to get it To go to collect it. Or in order to go to collect it. Le récupérer, to collect it. Bien sûr, of course, ce genre d'initiative, that kind, that type of initiatives, sert à éviter le gaspillage. Is used to avoid waste, wasting. Servir à something, it means to be used to, servir à plus a verb, infinitive. So, ce genre d'initiative, sert à éviter, it is used to avoid le gaspillage, wasting. Car, since, for, because, car, ça permet d'éviter, it allows to avoid, permettre de, it means to allow. Here again, plus a verb infinitive. Ça permet d'éviter. It allows. It allows people to avoid de jeter, throwing, des choses qui peuvent encore servir. Things that can be used again. In this sentence, qui, the relative pronoun qui, replaces les choses. des choses. The word coming just before. We could say. Des choses peuvent encore servir. Things can still be used. So here the relative pronoun replaces a word on des choses which is in subject position. That's why we use qui. Des choses qui peuvent encore servir because les choses ces choses peuvent encore servir. Donc qui peuvent encore servir. Et puis here et puis means and also ça permet aux personnes qui ont moins d'argent d'économiser. It allows people having less money to save money. So literally it means it allows two people who have less money to save, to save money. Mm. Ça permet aux personnes qui ont moins d'argent, people who have less money, uh, d'économiser, to save, to save money. Il y a également des plateformes qui permettent d'échanger des services. There are also platforms that allow to exchange services. Des plateformes qui permettent. Donc, les plateformes permettent d'échanger des services. Les plateformes is in subject position. It's the subject of permettre. So, we replace it by qui, qui. Which is the relative pronoun used to replace a subject. Donc des plateformes qui permettent d'échanger des services. To exchange services. Échanger des services. Exchanging services. C'est idéal pour rencontrer ses voisins. It's ideal in order to or to meet one's neighbors. C'est idéal pour rencontrer ses voisins, mais mais ça permet aussi, it allows also, it allows people also, et surtout, and above all, and mainly, d'économiser de l'argent, to save money. Ça permet aussi et surtout d'économiser de l'argent. It allows also and mainly to save money. Quand on échange des services, when One exchange services. En fait, actually, in fact, on échange du temps. One is exchanging time. Par exemple, for example, si je donne une heure de mon temps pour faire quelque chose, if I give an hour of my time in order to do something, je peux ensuite, I can then, later, ensuite, Recevoir le service d'une autre personne. Receive the service of another person. Pendant une heure. For one hour. So here pay attention to pendant. Pendant une heure. To say for an hour. For one hour. Pendant une heure. Donc, au lieu d'échanger de l'argent. So, instead of exchanging money. On échange du temps. We exchange time. People exchange time. Au lieu de, means instead of. Enfin, lastly, d'autres initiatives, other initiatives, permettent par exemple de soutenir des producteurs locaux. Allow, for instance, to support, soutenir, to support les producteurs locaux, local producers soutenir une personne. It means to support someone. Ce sont des plateformes qui permettent de grouper des achats. They are platforms that allow or allowing people to group purchases. Les producteurs locaux reçoivent les commandes. Local producers receive the orders, les commandes. Et livre les produits. And deliver the products, the goods. Livrer means to deliver. Grâce à ce genre d'initiatives, thanks to that kind of initiatives, on peut à la fois consommer des produits frais. One can at the same time consume fresh products. À la fois means at the same time. À la fois. On peut à la fois consommer des produits frais, consume fresh products, et à la fois soutenir les petits producteurs. And at the same time, à la fois, soutenir les petits producteurs, support small producers. On peut à la fois consommer des produits frais et à la fois soutenir les petits producteurs. One can at the same time consume fresh products, And at the same time, support small producers. C'est aussi facile qu'acheter dans un supermarché. It's as easy as buying in a supermarket. So here we have a comparison with an adjective. Facile. So we use aussi. Aussi facile que. As easy as. Aussi facile que. Blah, blah, blah. C'est aussi facile qu'acheter. It's as easy as buying. Dans un supermarché, in a supermarket. Il y a autant de choix. There is as much choice. And here the comparison is about a noun. So we don't say aussi. We use autant, autant de. Autant de plus a noun to translate as much as. Il y a autant de choix. There is as much choice. Et les produits sont meilleurs. And the products are better. So here, meilleur means uh, better. It means plus bon. But we can't say plus bon in French, uh, just like we can't say more good in English. So we say better, meilleur. Bref, tout est mieux. Bref means something like, in conclusion, in a nutshell, to sum up, tout est mieux. Everything is better. Hmm, but why is it mieux here? We just saw that better was meilleur. So why do we have two words in French to say better? Be careful. Meilleur means plus bon. Mieux means plus bien. So to translate better, you have to know if you want to say plus bon or plus bien. In the previous sentence, we want to say that les produits sont bons. Bon is an adjective. It refers to the noun product. Donc, les produits sont plus bons. It's going to be les produits sont meilleurs. In the second sentence, we say that everything is better. Mieux is about the verb to be, to be better. So, in French, we would say that tout est bien. Bien. Bien is the adverb. To describe a verb, we have to use an adverb. Bon is an adjective. Adjectives are describing a noun. And bien is an adverb. Adverbs are describing verbs or other adverbs or adjectives. So in this sentence, we want to say that tout est plus bien. Plus bien is mieux in French. We can't say plus bien. Donc tout est mieux. Everything is better. Consommer autrement, to consume another way. Autrement means otherwise, like in another manner, another way. Hmm? Consommer autrement, to consume another way. Pourquoi pas? Why not? Mais consommer et acheter pour posséder toujours plus? But consuming and buying to own, posséder, hmm? to own toujours plus, always more. Est-ce que ça nous rend vraiment heureux? Does that make us really happy? Rendre heureux, to make happy. Les minimalistes pensent que, minimalists think that, pour être heureux et être bien dans sa peau, to be happy and to feel good in your shoes, so être bien dans sa peau, literally it means to be good to feel good in your skin under your skin you know? so it's a bit like to feel good in your shoes in english i guess il faut posséder moins it's necessary or one has to il faut posséder moins to own less owning less have less il faut posséder moins d'ailleurs besides pour se sentir bien in order to feel good posséder moins ne suffirait pas owning less or having less is apparently not enough so posséder moins ne suffirait pas here we use the conditional to say that apparently that is not enough here the conditional is like saying according to what some people say. Posséder moins ne suffirait pas. We could translate saying, uh, according to some people, owning less is not enough. Il faudrait aussi ranger plus. So, one ought also tidy up more. So, here again, we use the conditional to translate uh, the idea of according to some people. That's what some people say. Pourquoi? Why? Parce qu'avec un logement désordonné, because with an untidy accommodation, notre esprit, our mind, l'esprit is the mind, est agité, is agitated, être agité, to be agitated. Avec un logement plus rangé, with an accommodation more tidy, plus clair, clearer, like literally more clear, Plus propre, cleaner, like literally more clean. Notre esprit, our mind, notre esprit est plus calme, is more calm, like quiet, est plus tranquille, and more quiet, more peaceful. En tout cas, anyway, en tout cas, c'est ce que nous explique Marie Kondo. That's what is explaining Marie Kondo. Uh, literally, it means that's what uh, is explaining to us, Mari Kondo. Hein? C'est ce que nous explique Mari Kondo. Marie Kondo, c'est une jeune japonaise de 34 ans. So, Mari Kondo is a 34 years old young Japanese. Uh, literally, c'est une jeune japonaise. It's a young Japanese de 34 ans. Of 34 years old spécialiste de l'art du rangement a specialist of or about the art of tidying up elle a vendu she sold des millions d'exemplaires millions of copies de son livre of her book l'art du rangement the art of tidying up dans ce livre in that book marie kondo explique marie kondo explains comment le minimalisme et l'art du rangement, how minimalism and the art of tidying up peuvent nous aider, can help us, peuvent nous aider à vivre mieux, to live better. Here, better means plus bien. We say vivre bien, to live nicely, et vivre mieux, to live better. trier, ranger, jeter ou donner ce qui est inutile. trier means to sort out. ranger, to tidy up. jeter, to throw, to throw away. donner, to give, to give away. ce qui est inutile. what is useless? inutile, useless. ce qui est inutile, what is useless? Garder l'essentiel, to keep what is essential, to keep the essential, et le ranger correctement, and to tidy it up correctly, voilà son secret. Here is, voilà, her secret, son secret. Marie Kondo est aujourd'hui très célèbre. Marie Kondo is today very famous. So, famous is usually translated by célèbre, especially speaking about a person. Elle est très célèbre. She is very famous. Célèbre. Elle est souvent invitée. She is often invited. À la télé. On TV. À la télé. Et. And. Depuis 2019. Since 2019. Depuis. Since. Elle a même, she has even, même, une série de télé-réalité sur Netflix. A real TV show on Netflix. Alors, so, consommer plus, to consume more, consuming more, consommer mieux, consuming better, to consume better, consommer différemment, consuming differently or to consume differently. Consommer moins, to consume less or consuming less. Il faut faire quoi, selon vous? Hmm? What do we need to do? What does one have to do, according to you? Hmm, selon vous. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous? Que faut-il faire, à votre avis? here, those three questions have exactly the same meaning in french. Yeah? so, selon vous, d'après vous, à votre avis, mean according to you. Yeah? you've got three options. selon vous, d'après vous, à votre avis. and uh, if you are speaking and giving your opinion, you can change the pronoun. you can say, selon moi, d'après moi, à mon avis. according to me. And then we have the same questions using three different structures. Informal, neutral and formal. First option, il faut faire quoi? It's like a statement. We just put the question word at the end and we raise the voice. Il faut faire quoi? It is necessary to do what? Literally. That's the most informal way to ask the question. With the two other options, we put the question word at the front. Quoi becomes que at the front of a sentence? The neutral way to ask the question is to ask que plus est que and then the statement. Que est-ce que il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? That's neutral. A neutral way, a very common way to put it, to ask the question. Qu'est-ce qu'il faut faire? And then the last option to ask a question which is more formal is to swap the subject and the verb so il faut becomes faut-il So with a question word at the front it becomes que faut-il faire So il faut faire becomes faut-il faire il faut faire quoi que faut-il faire so, this is a bit tricky, yeah, but these are basically the three options to ask an open question in French. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.